Dieu bénit les pays qui sont généreux. acceptent les mélanges, on a l'impression qu'ils sont fous. On a l'impression que non, ils vont se laisser envahir et leur économie va en partie. Mais au contraire, on voit l'économie se booster. Après ces ingéniosités-là, je voyais comment les pays les plus généreux du monde qui acceptent le plus d'immigrés chez eux sont les pays qui touchent le plus. On a connu les États-Unis qui acceptent le plus grand nombre de réfugiés, de migrants. Je me suis rendu compte qu'en fait, la nation qui accepte le plus de réfugiés sur son sol, une des nations qui accepte le plus de réfugiés est l'Allemagne. Parce qu'il y a 5 pays qui acceptent le plus de réfugiés chez eux. Il y a la Turquie qui est en tête, il y a l'Iran, il y a l'Iran, et puis il y a l'Allemagne, il y a le Pakistan, et puis il y a, je ne sais pas, il est le seul. On parle des États-Unis, on parle des réfugiés. Ah oui. Tous les migrants. Ah oui. Donc quand on parle des migrants, ce sont les gens qui se déplacent à cause des problèmes sociaux. Donc, l'Allemagne est le seul pays de l'Occident qui accepte beaucoup de réfugiés chez lui. Je pense que c'est une des choses qui favorise cette grâce, cette prospérité sur le cœur. Donc, il te sera fait comme tu as fait. Donc, si tu bénis les autres personnes, si tu es généreux, Dieu te bénira. Mais si tu rejettes les personnes, tu es méchant, il te fera faire ça ce que tu as fait. Abdias 1,15, tu vois. Abdias 1,15. C'est un passage qui nous parle fortement. En ce qui concerne le jugement de Dieu, le jugement juste, de Dieu. Et je pense que cela montre, on dit que le son est faible. Les gens ne peuvent pas coucher de la caméra fixe. On nous signale que le son est faible. Donc, pour moi, comme tu le disais, Abdias 1, verset 15. Abdias 1,15. Dit que cela fait comme tu as fait. Ça revient un peu à ce que l'apôtre Paul a dit, que chacun moissonne ce qu'il a semé. Voilà, donc si tu sèmes le bien, tu moissonnes le bien, si tu sèmes le mal, c'est un peu la pensée commune, universelle, qui parle du karma. C'est-à-dire que le mal que tu fais, tôt ou tard, tu vas en payer le prix. Tandis que celui qui fait du bien autour de lui, et ça revient même au sermon de Christ sur la montagne des Oliviers. Oui. Où il dit que ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde. Oui. Donc ça veut dire que, et c'est la même chose aussi, il dira que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera vous aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. Donc il te sera fait comme tu as fait. Je pense que c'est la loi basique même de l'existence humaine. Donc je pense, à partir de ce moment, s'il faut faire un raisonnement simple, c'est nous qui définissons si on veut être béni ou si on a vécu dans la malédiction en fait. C'est ça. Oui, parce que si je veux être béni, je dois poser des actions qui attirent la bénédiction. Et si je veux être maudit, je dois poser des actes de méchanceté. Et je pense que c'est ça que Esaïe dira, point de paix pour le méchant. Tout à fait. Et lui qui sera donné, qui sera donné. Oui. Donc, donné, qui sera donné. C'est important. Moi, je vois la générosité comme étant un levier de la prospérité. Donc, parfois, l'Église, en tant que serviteur de Dieu, les gens estiment que nous les servons, on est Dieu, et ainsi de suite. En fait, c'est le pasteur dit ce qui est juste au brebis. Et beaucoup veulent vivre dans la méchanceté, vivre dans l'avarisme, vivre dans toutes ces choses-là. Oubliant qu'en fait, c'est pas Dieu qui te maudit en fait. Ouais. Mais c'est toi qui détermine ce que tu reçois dans la vie. Personne ne te maudit, Dieu ne te maudit pas. Maintenant, l'homme de Dieu a la responsabilité de te montrer ce qui est juste, de te montrer ce qui est bien. Maintenant, si tu fais ce qui est bien, tu poses de bonnes actions. C'est pas qu'on prêche les œuvres, Non seulement que les vœux, non seulement que les œuvres, la foi sans les œuvres témoignent. Donc il est important que les gens comprennent ça, et même les nations. Parce qu'aujourd'hui, ce que je parlais, ça allait beaucoup en direction des nations occidentales, qui estiment que parce qu'elles ressortent sur leur sol, les étrangers, davantage les Africains, c'est ce qui explique qu'ils peuvent leur économie dans le parti. Quand j'ai démontré, on peut démontrer qu'en fait, ce n'est pas parce que vous accueillez beaucoup de migrants sur votre territoire, sur votre sol, que vous devenez pauvre. On voit que les États-Unis sont la nation qui accueille le plus de migrants sur son sol. La nation qui accueille le plus de réfugiés est l'Allemagne, mais ces nations sont prospères. L'une est première économie mondiale, l'autre est seconde économie mondiale. Donc ça va en compte. Là, c'est la seconde, c'est la première en Europe. Ah, la première en Europe, justement. La première en Europe. C'est même la première économie mondiale, c'est ça. Donc, ça va en compte de ce que les Occidentaux pensent. Je me suis rendu compte en faisant des études que, en fait, le plus grand combat de migration internationale, on ne parle pas de l'Afrique. Parce que les questions ont pensé que le combat de migration internationale, ce sont les Africains qui sont en tête. Je me suis rendu compte que l'Asie et l'Amérique du Sud, c'est eux qui constituent le plus grand pourcentage de migrants dans le monde. L'Asie, c'est 31%, l'Amérique du Sud, c'est 31%, et l'Amérique du Nord, même Canada et États-Unis, c'est 21%. L'Afrique vient en dernière position, on parle de migration dans le monde. L'Afrique, c'est seulement 9% des migrations internationales dans le monde. Donc, contrairement à ce que nous pensons, parce que quand on parle d'aller que le citoyen, l'individu normal, c'est que lorsqu'on parle de migration, on parle des Africains en fait. Les Africains ne sont pas les plus grands migrants, c'est seulement 9% des migrations internationales. C'est-à-dire que les Africains, c'est déjà important que ça. Donc, les États-Unis, l'Amérique, l'Asie sont ceux qui se déplacent beaucoup. C'est-à-dire ceux qui se passent souvent plus dans le monde. Et quand on parle des migrants, ce sont des personnes qui se déplacent à cause pour les besoins économiques. On se rend compte que les Africains ne se déplacent même pas pour les besoins économiques, mais ce sont des Occidentaux eux-mêmes. Dernièrement, tu as donné un enseignement sur le donner, le pouvoir de donner dans l'église, et c'est un enseignement qui a bouleversé beaucoup de personnes. C'est un enseignement qui a bouleversé beaucoup de personnes. Et je pense que je souhaiterais que tu reviennes un peu sur cet enseignement-là, parce que le donner est en train de perdre sa place dans l'église, surtout l'église africaine et francophone, si vous voulez. Tout à fait. Voilà. Bon, ça c'est mon observation personnelle. Donc, je ne sais pas si tu peux... Et cette observation, c'est vrai, en fait, elle est fondée. Parce qu'en lisant les Saintes Écritures dans Ézéchiel, je me suis rendu compte d'Ézéchiel chapitre 44, que la première responsabilité du sacrificateur, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, leur première responsabilité, selon Ézéchiel et l'Ancien Testament, c'était de prêcher, c'était de montrer la voie de la justice au peuple. C'est de prêcher la justice. C'est d'apprendre aux gens à connaître leur droite, leur gauche, de vivre dans la vérité, dans la justice. Ça, c'est la première responsabilité du sacrificateur ou bien de l'homme de Dieu. Maintenant, la Bible va dire à la suite de cela que les autres personnes, c'est-à-dire que les sacrificateurs, ils n'ont pas reçu d'héritage en Israël. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, sous l'impulsion de Josué, ils n'ont pas reçu d'héritage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de propriété, ainsi de suite. Maintenant, Dieu qui est un Dieu de justice a donné aux sacrificateurs à l'attitude de jouir des sacrifices, de jouir des prémices. Là, c'est la famille de Lévi. La famille de Lévi. Naturellement, les sacrificateurs font partie de la famille de Lévi. Donc, leur portion, leur droit, c'est quoi? C'est les sacrifices qui arrivent au temple, c'est les prémices. C'est toutes les choses qui sont sacrées. La dîme, toutes ces choses, la dîme, les offrandes, les sacrifices, les prémices, et tout ceci dessus. Donc Dieu a expressément dit que ça, c'est pour les sacrificateurs, ça, c'est pour les lévites. Donc ils n'ont pas reçu d'héritage, mais voici ce que moi je note. Ils sont consacrés à mon service, maintenant ça, c'est une responsabilité. Donc ça veut dire que, je parlais justement du cycle de la bénédiction. Si l'Église pouvait comprendre ces choses, que en fait la première responsabilité du sacrificateur est d'annoncer la justice, de prêcher la vérité au peuple. Maintenant, en retour, le peuple apporte des sacrifices, des prémices, et des actions de grâce, ceci est la part du sacrificateur. Et c'est pourquoi je parle du cycle de la bénédiction, parce qu'un cycle, c'est un ensemble des choses qui produisent les mêmes résultats de façon immuable. Donc, dans la durée, c'est-à-dire que ça ne cesse jamais. On a le cycle ovarien de la femme, tous les 28 jours, la femme, elle saigne, et après ça, il y aura une période d'évolution au 14e jour. C'est un même cycle, c'est à cause de ce cycle-là que l'enfant vient, que les femmes enfantent. Donc, on parlait de la loi de la causalité. Tout à fait. Causalité. Merci, merci mon prophète. Donc, maintenant, il y a la loi, par exemple, de la semaine. Il y a la loi, par exemple, le cycle de la moisson et des semaines, le cycle par exemple de l'eau, qui voudrait que chaque fois que l'eau tombe par terre, quand il y a évaporation, il y a condensation après, ça retombe. La même chose, il y a le cycle de la bénédiction, avec le sacrificateur, il prêche la parole, il montre la vérité, et en retour, le peuple a la responsabilité d'apporter des sacrifices, des offrandes, des prémices, et ça c'est la part du sacrificateur. Donc ce cycle-là produit la bénédiction. Parce que la Bible déclare que lorsque vous donnerez vos prémices au sacrificateur, alors il bénira votre maison. Donc, le sacrificateur bénit le peuple avec la vraie parole, il enseigne la justice. En retour, le peuple apporte des prémices, apporte des sacrifices, apporte la dîme, apporte l'offrande au temple. Et donc, pendant que le sacrificateur, pendant que le peuple est béni, en retour, le peuple bénit le sacrificateur. Ça fait donc un cycle, quand je parle du cycle de la bénédiction. Et il m'était important, que je revienne sur cette chose, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais si bien mon prophète, l'église francophone a un problème. Le problème c'est qu'il y a une pléthore de personnes qui se cachent derrière leur clavier à la maison et qui vomissent toutes sortes d'inerties. Ces inerties qui vont en contre-courant de ce que la Bible enseigne. Et tellement nous sommes, tellement on est habitué à écouter ces choses, les enfants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, et même les sacrificateurs, et même les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à ça que finalement, on se laisse oppresser par ces choses, on se laisse emballer dans ces choses. Comme si, au point où même beaucoup de serviteurs de Dieu se sentent coupables du fait qu'ils jouissent de ce qui est leur droit. Ils jouissent des sacrifices, ils jouissent des prémices, ainsi de suite. Or, c'est leur droit en fait. C'est leur droit, puisqu'ils ont la responsabilité de prêcher la justice. Et c'est important que chaque sacrificateur, chaque homme de Dieu comprenne que son devoir primaire, c'est de prêcher la justice. Dans l'Ancien Testament, c'est d'annoncer, d'enseigner les voies de Dieu au peuple de Dieu. Maintenant, il a en retour son droit, c'est-à-dire le sacrifice, et tout ce qui vient au temple, c'est sa responsabilité pour lui. Et dans certaines personnes pourraient dire que ça c'est l'Ancien Testament. Mais on a tellement de textes dans le Nouveau Testament qui étaient le propos. Le diable, oui. Il faut expliquer, si tu me le permets, qu'il y a aujourd'hui une génération d'hommes de Dieu, ce que j'appelle hypocrite en fait. Tout à fait. Oui, qui enseigne que l'évangile de la prospérité n'est pas un bon évangile, mais c'est l'évangile de la croix qu'il faut prêcher. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question de terminologie, il y a une question d'intellectualité. Il y a aussi une question de linguistique, de langue, de compréhension de langue, parce que je ne comprends pas comment un chrétien de surcroît, prédicateur de l'évangile, peut annoncer que l'évangile de la prospérité est diabolique. C'est ça. Parce que là en français il y a un problème, parce que le terme prospérité, l'apôtre Paul le met en exergue dans son évangile. Lorsqu'il écrit à Gaïus, je pense à Gaïus, il dit que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc je veux que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les diapasons de ta vie, en tant que serviteur de Dieu, tu dois prospérer à tous égards. Donc le mot prospérité n'est pas péjoratif, au contraire, il est amélioratif. La prospérité, c'est le but ultime de l'évangile. Le mot prospérité veut dire simplement le développement holistique, c'est-à-dire le développement de l'homme dans son corps, son âme et son esprit. C'est-à-dire ce qu'on appelle la trilogie de développement. Donc, il faut comprendre que la prospérité, elle est divine. Et il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Or, cet enrichissement, en fait, c'est la bénédiction. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Je pense que Certains législateurs ont un problème à voir avec le français, la langue de base dans laquelle nous véhiculons le message de l'évangile. Il y a une différence entre l'évangile de la prospérité qui amène le chrétien à se développer, comme Jésus l'a enseigné, et dit Umeis est tes alastes, vous êtes le sel de la terre. Umeis est ton foston cosmo, vous êtes la lumière du monde. Et dit vous êtes une ville située au sommet d'une montagne. Et une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Donc c'est ça en fait la prospérité. Donc je pense que certains prédicateurs confondent, font l'amalgame entre l'évangile du matérialisme, où Dieu c'est maman, Dieu c'est l'argent, et l'évangile de la prospérité qui amène le chrétien à travailler, à réussir dans la vie. Parce qu'il faut savoir que être chrétien, ce n'est pas régner notre humanité ou les besoins fondamentaux d'un être humain. Un chrétien aura besoin de se marier, il a besoin de fonder sa famille, il a besoin de nourrir sa femme, il doit envoyer ses enfants à l'école, être capable de payer des frais d'hospitalisation si quelqu'un tombe malade, il doit amener sa famille en vacances, être capable de payer un billet d'avion ou un ticket de bus, etc., aller en clinique avec sa famille, etc., etc. Donc être chrétien ne veut pas dire être retranché du bonheur, être retranché du développement ou bien de la prospérité ou bien de la joie de la vie. Parce qu'en Christ, il y a plus de joie en fait que dans le monde, parce que dans le monde, il n'y a pas de joie. Donc, il y a une différence entre l'évangile du matérialisme où Dieu est relégué au dernier plan, où c'est l'argent qui est adoré, où le salut ne compte pas, Jésus ne compte pas, tout tourne, chevauche et caracole autour de l'argent. Maintenant, ceux qui disent qu'il faut prêcher l'évangile de la croix, parce qu'eux, ils condamnent les autres, en fait, ne prêchent pas l'évangile de la croix, mais l'évangile de la condamnation. C'est deux choses différentes. L'évangile de la croix ne condamne personne. Jésus a dit, je ne suis venu condamner personne, je suis venu juger personne. Mais cette parole que je vous annonce, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Donc, mais aujourd'hui, on a des gens qui prennent leur téléphone ou bien leur clavier, comme tu disais, pour condamner tel, juger tel, mettre tel côté. Nous, on n'a pas le rôle de juge, on a le rôle de prédicateur. Quand on parle de prédicateur, on parle de ceux qui annoncent la parole de l'évangile. Donc, l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 9, je pense que c'est le passage que tu as eu à penser là-dessus. Il dit, 1 Corinthiens 9, à 29 à 11, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf lorsqu'il foulera des grains. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous, c'est-à-dire nous prédicateurs, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule des grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'apôtre Paul enseigne. Quel prédicateur de l'évangile doit vivre de son évangile? Il doit vivre de son ministère. Que lorsque je prêche et que je vais partout pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, il y a un salaire que je dois tirer de cela. Il y a aussi une subsistance que je dois tirer de cela. Il y a un retour dans tous les cas. Il dit qu'on doit labourer en espérant avoir part à la récolte ou à la moisson. Et il dira encore, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels, c'est-à-dire les biens passagers? Donc c'est ça justement. C'est quoi en fait, c'est quoi les biens spirituels? Quand on dit, nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce que vous demandez de jouir de quelques biens temporels, c'est-à-dire qu'ils vont finir d'un moment à l'autre? On va mourir et laisser. Pourtant, nos biens, c'est éternel. C'est-à-dire, on vous donne la vie éternelle. La vie éternelle, parce que lorsque j'enseigne à quelqu'un la justice, lorsque j'enseigne les principes du royaume de Dieu à un chrétien, ce sont ces principes qui lui permettent de prospérer en fait. Non seulement de prospérer, mais d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Quand je parle de prospérité, la prospérité englobe toutes ces choses. Donc, on enseigne la justice. Par exemple, dimanche, parce que j'ai dû aider certaines personnes dans mon leadership. Toi, tu es arrivé dans cette église, vous étiez tous débrouillés en fait quand vous m'avez rencontré. Donc, l'évangile que j'ai prêché, les enseignements que je vous ai donnés, vous ont transporté d'un niveau 1 à un niveau 10. Aujourd'hui, toi, par exemple, tu as battu. Toi, par exemple, tu étais malade, tu étais fini, Dieu t'a restauré. Toi, tu étais chômeur, Dieu t'a restauré. Ce sont les biens spirituels que j'ai communiqués qui t'ont amené à cette dimension. Mais en retour, est-ce que c'est trop demander si tu me bénissais? J'ai demandé, est-ce que si tu me donnes une réponse, c'est pour moi? Tout le monde sait que non. Et la Bible va davantage ajouter de l'eau à ton moulin, en Abraham chapitre 6 en disant que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. Pas de quelques biens. De tous ses biens. Et dans l'Ancien Testament, il faut qu'on pratique ça. L'Église doit pratiquer. Je me suis rendu compte que les standards du Nouveau Testament sont plus élevés que ceux de l'Ancien Testament, au sens où dans l'Ancien Testament, c'était seulement les prémices, les ceci, les cela. Il y avait des choses qui étaient déjà déterminées. Par exemple, tes sacrifices, tes offrandes, tes prémices. Mais dans le Nouveau Testament, il dit tout est bien. Tout est bien. Dans tout ce que tu peux obtenir, il y a une part qui revient à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, c'est plus élevé encore. Dans l'Ancien Testament, c'était déterminé, il y a ceci, il y a cela, mais dans le Nouveau Testament, c'est tout est bien. Et ce n'est pas une dimension encore. Cet enseignement est autant valable dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce que certaines personnes qui ont cette propension à dire que non, vous êtes en train de prêcher la loi, pourraient se lever et dire que non, on le fait dans l'enseignement. Mais cet enseignement est autant valable dans l'Ancien Testament et plus encore dans le Nouveau Testament, où on voit tellement d'exemples. Par exemple, dans le chapitre 9, dans le chapitre verset 6, où c'est la responsabilité de celui à qui on enseigne la parole de Dieu de partager tous ces biens. Ça veut dire qu'un chrétien à qui on enseigne l'évangile et qui est béni par cet enseignement, parce que l'évangile c'est un débouché. C'est-à-dire que l'évangile vient dans une vie qui est bouchée, un peu comme les galeries souterraines qui parfois sont bouchées, et quand il y a ce genre de bouchon, automatiquement il y a inondation. Les égouts, par exemple, lorsqu'un égout est bouché, automatiquement les excréments, toute la saleté de la ville qui pendant des siècles a été cachée sous la terre, alors on connaîtra l'autre côté de cette ville. On saura que la belle ville-ci, en fait, a des égouts. Il y a aussi la crotte, quelque part qui circulait, mais hors de la portée de la vue de ceux qui habitent, ou bien des étrangers qui viennent dans cette ville. Mais l'évangile, c'est un peu comme ce déboucheur qui vient trouver des égouts bouchés, avec des inondations, avec des odeurs répugnantes, nauséabondes, etc., toxiques. Et quand l'évangile arrive dans ces égouts, l'évangile débouche les égouts. Et à nouveau, les déchets vont circuler et la ville est sanctifiée. La ville retrouve sa fonctionnalité, sa beauté, la ville retrouve son bien-être, et puis tout le monde peut circuler librement. Alors automatiquement, l'évangile nous enseigne, l'apôtre Paul explique donc dans ce cadre, parce que Dieu m'a utilisé pour déboucher les égouts de ta vie, en sorte qu'aujourd'hui tu as le prestige, aujourd'hui tu es bien, tu es prospère, tu réussis. Le rôle du croyant en ce moment, c'est de dire, comme Dieu m'a béni par l'évangile de cet homme ou de cette femme, j'ai 3 voitures, je veux prendre une, je veux dire, comme j'ai acheté ma voiture, j'achèterai aussi la voiture à mon pasteur. Parce que c'est par lui que Dieu est passé pour faire que je n'aille plus dans les boîtes de nuit. Moi qui étais esclave des femmes ou des hommes, aujourd'hui, je suis une personne responsable. J'ai retrouvé la stabilité dans mon foyer. Maintenant, je reste aussi tranquille à la maison. Je ne débouche plus. Depuis le jour que j'ai rencontré cet homme-là. Alors, c'est donc un péché lorsqu'un enfant de Dieu qui est venu sale a été lavé par l'évangile, étant propre, n'arrive pas aussi à rendre propre son pasteur avec quelques biens matériels même, que la vermouille temporelle, que la vermouillure va même dévorer. Donc, je pense que l'Église doit prendre conscience. Moi, dans mon expérience, si tu me permets, l'expérience que j'ai dans le ministère, dans ces quelques années où le Seigneur m'a permis de marcher, de faire des plantes devant lui, j'ai remarqué une chose, c'est que la majorité des enfants de Dieu qui ont été bénis par mon ministère sont partis, sans rien donner pour le ministère. Et ce n'est pas étonnant, d'autant plus que Jésus-Christ lui-même a vécu cela. La plupart des personnes en qui nous investissons sont les personnes les plus ingrates. Je dis souvent que le ministère est l'une des œuvres les plus ingrates au monde. Jésus-Christ va ministrer avec les 10 lépreux. Lorsqu'il va prier sur les 10 lépreux, il va leur demander d'aller se présenter devant le sacrificateur. il y a un seul parmi les 10 qui va reconnaître la bonté de Jésus, reconnaîtra que, et grâce à cet homme, je suis normal. Parce que comme de Dieu, il faut que les gens comprennent. Dans l'épisode de l'épreuve, peut-être nous minimisons parfois le miracle qui a eu lieu. Quand on parle de la lèpre, ça veut dire qu'il n'avait pas des orteils, il n'avait pas de doigts. Il faut savoir cela parce que la lèpre coupe automatiquement les orteils et les doigts, ça ronge la main. Ça veut dire qu'il y a eu un miracle créationnel. Il y a eu ce qu'on appelle un miracle créationnel. Ça veut dire que Dieu leur a créé de nouveaux doigts. Il a créé une nouvelle peau. Il a créé de nouveaux nerfs. Il a créé une nouvelle chair. Donc c'est une réparation majeure. C'est un miracle majeur, puissantissime, qui a eu lieu. Mais pendant qu'ils s'en allaient, et qu'ils étaient victimes de ce miracle, et qu'ils étaient tombés victimes de cette parole prophétique, il y a un seul sur 10 qui est retourné dire merci. Merci, ça dit sans offrande, juste dire merci. Il y a un sur 10. Ça montre que 9 sont ingrats dans le ministère, et c'est le 1 là. Que quand tu trouves, ce sont nos haines, les preuves qui nous bénissent. Oh, les 9 autres, on ne connaît pas. Et Jésus va lui dire, oui, va voir le sacrificateur, pas le même vite. Oui. Parce qu'après ce miracle, il a dit, j'avais une offrande. Il a dit, c'est que Moïse a... Oui. Va voir le sacrificateur. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ est en train d'établir, est en train de confirmer ce principe qu'on enseigne dans l'heure. Dangereux. Le signe de la bénédiction. Ça, c'est vrai. Si tu as été béni, Jésus dit, donc, va. Avec nos frères, il ne dit même pas que va voir. Il dit que va prendre l'offrande que Moïse a prescrite et va voir le sacrificateur. Maintenant, ma question, le sacrificateur a participé en quoi? En ce miracle. Mais parce qu'il est serviteur, parce que c'est ça que le principe de la paternité. Parce que ces lépreux sont membres d'une synagogue en fait. Leur offrande ne vient pas Christ. Mais leur offrande est femme. Dès qu'il soit sacrificateur, c'est ça. Quoi qu'il soit sacrificateur. Donc ici, il nous enseigne aussi la dialectique de la paternité spirituelle. Donc il dit, ok, moi j'étais croisé dans la rue, tu es venu, tu étais malade, j'ai résolu ton problème. Mais quant à la prescription de Moïse, l'offrande qu'il faut donner, va vers ton sacrificateur parce que c'est ton pasteur. C'est dans sa maison que tu persévères. C'est lui qui va confirmer, déclarer que désormais tu as encore accès au temple. Et donc l'esprit de rejet, l'esprit d'exclusion dont ils étaient victimes, l'esprit de marginalisation, l'esprit de mépris, la honte dont ils étaient esclaves, l'ignominie, la raillerie, le sarcasme, la risée dont ils étaient témoins. Le Seigneur, par ce miracle, en un seul clin d'œil, a ôté toutes ces choses-là et ils ont été réhabilités dans le temps, réhabilités dans le service de Dieu. Donc c'est pour dire que pourquoi Jésus impose-t-il l'offrande aux lépreux? Pourquoi? Si l'Église mettait en pratique ces choses, on n'aurait pas les souffrances dont nous sommes sujets aujourd'hui. L'offrande, là, qui mangeait ça? C'est le sacrificateur naturellement, pour les Lévites. C'est le sacrificateur de manger. C'est la part de l'Église, c'est la part du sacrificateur. Parce qu'il n'a pas reçu d'héritage. Premièrement, par exemple, ton exemple. Après le baccalauréat, tu as fait des études, tu aurais pu travailler à l'Irak par exemple. À l'Irak, oui. Et maintenant, Dieu t'appelle à son service. Pendant que d'autres jeunes gens vont à la fonction publique, d'autres jeunes gens voyagent, d'autres jeunes gens vont, je sais pas où, à la Sorbonne, à Harvard, ils font des études, ils sont jeunes ingénieurs. En tout temps, Dieu te met à plat, il te dit, bon, toi tu es un lévite, je t'appelle à mon service. Quand tu abandonnes tout, maintenant tu vas te consacrer pendant des années. Tu te prives de beaucoup de choses. Tu te mets à part. Tu en as le carquois de Dieu comme des amis. Il te taille, il te moule. Tu cherches l'onction sur les montagnes. Pendant qu'ils sont en train de partir à l'école. Maintenant, Dieu qui est juste va se laisser comme ça. Jamais. Quand tu as fini d'aller dans les montagnes, de chercher parce qu'il n'a pas donné l'héritage. Il a donné l'héritage. C'est-à-dire que ton héritage allait travailler. Je l'appelle dans mon service, je le cache pas sur ma montagne, je le mets dans mon carquois. Il va souffrir et tu as été victime des pires souffrances, des pires humiliations. Et c'est dans ce processus que Dieu te taille pour que tu deviennes plus tard une bénédiction pour le peuple de Dieu. Maintenant, ceux qui sont partis travailler, pour qui tu deviennes une bénédiction plus tard, Dois-tu t'abandonner? Non, Dieu a dit non. Appelle, je n'ai rien donné, mais c'est vous qui avez la responsabilité. Quand vous êtes venu, alors message, d'apporter tous les biens que je vous donne au sacrificateur. Oui. Moi, également, c'est la même chose. J'ai laissé mes études en Allemagne, je travaille sur le conseil de sécurité en Afrique, j'ai laissé mes études. Dieu m'a dit, appelé à son service. Je suis parti à l'école, quand tu es parti à l'école, on a tout abandonné. Pendant ce temps, mes amis partent en Allemagne, ils sont tous ingénieurs aujourd'hui. Ils ont tous travail, ils ont de gros salaires, ils sont bien. Quand j'étais appelé, tu me souviens que tu as reçu, tu ne voulais pas. Oui, pendant 2 ans. Moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai pleuré pendant toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, moi je laisse tout pour aller commencer à encore dépendre des gens. Est-ce que Dieu est injuste pour nous abandonner? Ah non, jamais. Dieu serait injuste. Donc, c'était important que le monde entier et l'église prennent davantage. Et l'église du Cameroun davantage. Comprennent que les pasteurs ne sont pas des voleurs. On comprend qu'il y a des délires, ce qu'on appelle des délires Gaïus. Des personnes qui, parfois, n'ont pas été appelées et qui ne prêchent même pas la vérité. Mais je pense que chaque pasteur qui prêche, chaque vrai pasteur a droit à l'offrande, a droit à tout ce qui en a le temps. C'est son droit le plus absolu. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous pensez que les offrandes qu'on a à l'église, c'est Dieu qui descend du ciel pour manger cela? C'est pas Dieu qui descend du ciel. Il y a des prescriptions qui ont été faites, c'est au sacrificateur. Paul nous dit d'ailleurs, que ce soit dans cet esprit dans le Nouveau Testament, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il faudra le grain. Et il faut dire qu'aujourd'hui, parfois, dans le processus de la paternité et la responsabilité de la filiation, les gens doivent savoir que si un homme de Dieu, ton pasteur, ton père spirituel, prie pour toi et des portes s'ouvrent et que tu jouisses de cette bénédiction seule, tu es un voleur de bénédiction. Tu es un voleur parce que c'est dans ce sens-là que Dieu va appeler dans Israël ceux qui ne payent pas leur dîme des voleurs. C'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Donc il y a le vol spirituel, comme il y a le vol physique. Et c'est un escroc en fait. C'est un flément. Il a juste des biens spirituels dans les sacrificateurs. Mais quand ces biens spirituels produisent des fruits périssables, ils t'oublient, ils t'abandonnent. C'est un péché en même temps. Parce que je connais Josué. Il m'a raconté une histoire. Il a opéré sa fille. L'hôpital a demandé plus de 400 000 francs pour l'opération. Maintenant, je ne sais pas si la tante de la fille appelle la mère de la fille pour dire pardon, amène l'enfant chez mon pasteur, on va prier. Et on a amené l'enfant. Et on a prié. L'apôtre Pierre-Joubert a prié. L'enfant a été guéri. Il a dû retourner à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. Ils ont fait des examens, se sont négatifs. La dame n'est pas revenue. Elle a envoyé la tante de l'enfant dire merci au serviteur de Dieu. Que Dieu lui merci, que Dieu a guéri ma fille. Nous nous sommes reconnaissants, dit merci. Elle n'a pas pensé que les 400 000 là revenaient à l'homme de Dieu. Ou même si, bon, tu vois que 400 000 c'est trop, normalement tu peux prendre 200 000, 300 000, tu donnes. Mais si tu es juste, les 400 000 là, tu viens donner ça à l'homme de Dieu. Comme ça, je pense que ta conscience elle maintenant un témoignage que tu es une personne intègre, une personne juste. J'ai enseigné à l'église que normalement, quand tu voyages, où tu as été guéri, tu as été délivré, tu as reçu un miracle, pour venir témoigner, tu dois tenir une offrande. Une offrande, c'est que la Bible appelle l'offrande d'action de grâce. Tu prends l'offrande d'action de grâce, et quand tu témoignes, tu la mets dans le panier pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Donc, les hommes de Dieu sont là. Tu sais, il y a beaucoup d'églises où nous, serviteurs de Dieu, on n'arrive pas à manger. Nos enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, on a des brebis qui peuvent payer la pension de nos enfants. Ça. On a parmi les brebis du troupeau que Dieu nous a échoué en partage, des gens que s'ils se fâchent, ils te construisent la maison. T'as si s'énerve un peu comme ça, là, ils t'achètent la voiture à Camille Toyota. Mais ils ne le font pas. Ils voient mourir leur pasteur. Ils voient les enfants de leur pasteur ne pas aller à l'école. La femme du pasteur meurt parce qu'il a manqué de l'argent pour faire une césarienne. Pourtant, on a des brebis, des Joseph d'Arimathée cachés dans nos églises. L'église doit prendre soin de ses pères spirituels. Ça, c'est important. Très, très, très important. Donc, tu as si bien dit ce soir. J'ai pris une situation toujours à l'église. J'ai dit, si vous avez vos parents, et vos parents souffrent, Ils sont dans la misère. Vous avez construit une grande maison, puis dans une grande maison, une belle maison. Mais vos parents n'ont pas d'endroit où habiter. Ils meurent de faim. Pendant que vous êtes dans l'opulence. Vous êtes quelqu'un qui est maudit parce que Dieu, le ciel ne peut pas vous bénir parce que ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas acceptable que vous soyez dans l'opulence, dans la prospérité, dans une belle maison, pendant que vos parents biologiques qui ont pris soin de vous, qui vous ont envoyé à l'école et qui vous dans la misère. C'est la même chose sur le plan spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent leur pasteur. Ils abandonnent, ils sont dans la plupart des gens qui sont des locataires. Oui. Ils reçoivent des sommations partout, tous les jours. Parfois, mais ils sont des locataires chez leur brebis. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes de Dieu, leur bailleur, c'est leur brebis. Et après avoir prié, à la fin du mois, ils envoient le préavis. Oui, ils envoient. Ils donnent la sommation. Ils donnent la sommation au père spirituel. Et quand nous parlons, tu sais pas l'église ici, papa. C'est terrible, c'est quand même terrible. C'est terrible. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas avoir vos parents spirituels qui souffrent, qui manquent de tout. Pendant que vous êtes dans une opulence extrême, et vous pensez que le ciel va venir, ce n'est pas possible. Si vous oubliez, si une église ne prend pas soin de son pasteur, cette église ne peut pas être bénie. C'est la vérité. Si une église ne prend pas soin de son pasteur, de celui qui prend soin d'elle, de toutes ces personnes-là, cette personne ne peut pas être bénie. Moi, je pense que la bénédiction de chaque église est proportionnelle à la bénédiction que l'église donne à son pasteur. Si une église bénit son pasteur, cette église sera bénie en retour. Parce qu'ils sont en train chacun joue son rôle. Le pasteur joue son rôle de prédicateur de justice et en retour l'église joue son rôle en apportant ses dividendes, en apportant ses sacrifices, en apportant ses dîmes, ses offrandes. Et ça fait ce que j'appelle le cycle de la bénédiction. On a besoin de cela, on a besoin de cet équilibre dans l'église aujourd'hui, c'est très très important. Et ça fait mal parce que nos chrétiens sont en train d'être déviés à cause de tout ce qu'ils écoutent sur les réseaux sociaux. Oui, des faux prédicateurs. Des faux prédicateurs que je dis tout à l'heure, qui n'ont même pas parfois l'église, qui se cachent derrière la plupart. Parce que vous ne pouvez pas avoir une église séparée d'une certaine façon. Donc ce sont des personnes qui se cachent derrière leur clavier et disent toutes sortes d'inepties, vomissent toutes sortes d'inepties. Et ce sont des gens qui sont inspirés par l'enfer. Parce que Satan sait. Et ça, c'est le cycle de la bénédiction. Ça, c'est ce qu'il faut pas être béni. Ils inspirent donc ces personnes-là et ils viennent vociférer, ils viennent vomir toutes sortes d'inerties. Ils viennent vomir des inerties dans le but de gagner le maximum pour leur empêcher d'être bénis en fait. Il faut comprendre que ce sont des personnes qui viennent de l'enfer. Parce que le principe de la bénédiction, c'est le donner. C'est ça. Ça, c'est terrible, homme de Dieu. Le principe de la bénédiction, c'est le donner. Donc, si quelqu'un t'empêche de donner, ça veut dire que il veut t'empêcher de prospérer, il veut t'empêcher de réussir en fait. Et c'est ça en fait. Donc l'église francophone doit faire très attention. Vous allez voir les nations comme le Nigeria et certaines autres nations comme le Ghana, la plupart des nations anglophones. Et ils sont à des années-lumière plus avancées que nous dans ces domaines. C'est pourquoi dans ces pays-là, à cause de leur compréhension du royaume, vous allez voir facilement une brebis qui prend une voiture qui est dans son pasteur, qui prend une voiture qui prend une maison dans son pasteur. Mais combien de personnes dans notre nation, dans le sillage francophone, sont capables de donner une voiture, donner une maison à leur pasteur? Si vous le faites au Cameroun, vous le faites dans l'Afrique francophone, on vous taxe de frappeur. Oui, on dit que c'est un frappeur. Et je connais mon pasteur, dans l'église duquel on a donné une brebis à donner une voiture, à cause de son anniversaire. Après avoir donné la voiture, lorsqu'elle rentrait cette mort au quartier, les gens lui ont dit toutes sortes de choses. On t'a frappé, ainsi de suite. Elle est venue des mois plus tard réclamer cet argent au point d'amener ses pasteurs à la police. Elle a réclamé sa voiture. Le pasteur a dû remettre la voiture. Maintenant, l'église étant défiée parce qu'il est arrivé à le pasteur à essayer d'acheter une voiture. Mais est-ce qu'on dit qu'il fallait arriver là avant d'acheter une voiture à votre pasteur? Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que les hommes de Dieu qui enseignent contre, qui disent que non, donner les offrandes dans l'église, c'est un problème, il ne faut pas donner la liberté chrétienne et tout ça. Mais la Bible, le Nouveau Testament, hormis les gens, souvent, lorsque nous enseignons sur le principe du donner à l'église, les gens disent que non, il faut enseigner le salut. Il faut enseigner le salut. Donc, on enseigne le donner, c'est la salutation. Non, mais sincèrement, Donc ce n'est pas l'évangile, c'est le Coran qu'on enseigne. Mais qui a enseigné sur le tonnerre comme Paul, comme les apôtres? Mais c'est seulement. Le Nouveau Testament, c'est que parfois il y a des gens qui ne peuvent même pas répondre. Il faut les envoyer à lire leur Bible. La Bible ne leur répondra pas. Parce qu'il y a des questions que quand quelqu'un pose, tu comprends que ça, ce n'est pas un lecteur de la Bible, ce n'est pas un étudiant de la Bible ici. La Bible, Jésus a enseigné sur le tonnerre. Il dit, Dido, Mika, Dido, Tesseta, Romine, donnez et il vous sera donné. Et Dieu versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Un homme de Dieu vient dire non, ceux qui vous demandent les offrandes, c'est les escrocs, c'est les voleurs, c'est nous qui avons écrit la Bible. Nous-mêmes nous pratiquons. J'ai dit souvent à Raymond, et ça je le dis devant Dieu, il n'y a personne dans notre église qui donne plus que moi. Il n'y a personne. Dans tous les projets de l'église, je donne plus que tout le monde. C'est ça la vérité. L'église qu'on a conçue là-bas, c'est moi qui ai acheté le terrain. À Bertois, c'est moi qui ai acheté le terrain. L'église là, je l'ai construite peut-être à 80%, 90% même. J'ai acheté le terrain, je n'ai rien demandé aux gens. Donc il faut que les gens comprennent que nous sommes ce que nous enseignons. Nous sommes des modèles de l'évangile que nous prêchons. Le donner, même si vous êtes un homme de Dieu, vous ne donnez pas. Vous dites aux gens de donner, mais vous ne donnez pas. Alors vous ne serez pas béni. Parce que c'est des principes du royaume, c'est des principes spirituels. Celui qui les applique, même s'il est méchant, il prospère. C'est ça que vous voyez des pécheurs, même parmi les mondains là, ceux qui pratiquent la libéralité, ils sont différents. Leurs affaires prospèrent. Parce que ce sont des lois divines mais universelles. C'est un peu comme la loi de la pluie qui tombe en même temps sur le bon, comme sur le méchant, comme la loi du soleil ou de la lune qui se lève sur le bon et sur le méchant. Voilà, Dieu, vraiment. Merci, M. Jésus-Christ. Merci également. Que Dieu te bénisse. Les brebis sont heureuses. Nous sommes bénis d'avoir un docteur de la parole comme toi, et surtout un érudit, parce que je dis souvent, tu as une bibliothèque vivante. Ah, merci. Oui, tu es un homme qui a des connaissances qu'on trouve peu dans cette génération. Mais ton humilité donne souvent l'impression aux gens. En fait, empêche que les gens voient cela. Mais ce que tu portes, c'est non, mon frère. Je salue la grâce. Je salue la langue de l'Éternel. Ça, c'est la langue de l'Éternel. Là, c'est notre bibliothèque ici, de l'église du Cameroun. Ça, c'est la foi prophétique. Ça, c'est l'héritage du Cameroun. Celui qui porte le flambeau de l'Afrique francophone aujourd'hui. Dans le ministère prophétique, tu es une référence. Amen. Je loue cette grâce que tu as déposée dans ta vie. Amen. Moi aussi, mon frère. Tu es une lampe. Moi aussi. Tu es une lampe. Et je pense que cette génération a encore beaucoup à prendre de toi. Amen. Après, tu ne peux plus commencer. Amen. Amen. Parce que les visions de la génération sont extraordinaires. Amen. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes si proches, si petits. Les gens doivent comprendre que nous sommes de le même moi. On a eu les mêmes expériences. Les mêmes expériences, les mêmes épreuves. Tu es heureux, tu es douloureux, je suis mort, est-ce que moi, tu es dans la vie et tout ça. Et c'est Dieu qui nous a mis ensemble depuis 2010, on est ensemble face à ça. Donc ce n'est pas une amitié, ce n'est pas une fraternité qui est basée sur quoi que ce soit, ma manière. On s'est commis, on avait rien, on n'était rien. Et donc je loue le Seigneur pour la grâce qui est sur ta vie. Amen. J'ai eu une succession de visions que j'ai eues sur toi, ce que je t'avais dit. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi tu ressens tant de fou. Enfin, c'est une grâce divine. C'est un argument où ils disent toutes sortes de choses. Ils disent que j'ai travaillé. Ils disent que tu es allez prendre pour vous. Donc, pour nous, à qui Dieu a donné certaines perspicacité prophétique et spirituelle, on a été capable de voir ces choses venir. Dieu m'a montré beaucoup de visions sur les foules. J'ai eu une vision sur le prophète Ekane. Il était dans un carrefour à Yaoundé, ici au Cameroun. Et j'ai vu des gens se transformer, la poussière se transformer en homme. J'ai vu une foule à mes côtes pareilles. Une fois, j'ai vu une montagne, j'ai vu des foules qui te suivent. Donc c'est une grâce en fait. On ne sait pas ça. La raison pour laquelle partout tu vois des foules innombrables, c'est une joie et c'est un bonheur, c'est un privilège qu'on peut avoir au Cameroun, en Afrique francophone. Amen. Et l'Europe t'attend. Amen. J'arrive. On a dit qu'on leur parlait. On leur dit, cette année, il faut qu'on t'aime. Mes enfants t'aiment tellement là-bas. Oh, prophète Capto, on veut le voir, on veut ta grâce ici, on t'apprécie tellement. À distance, ils voient ton humilité, ta sincérité. Ça, c'est ce que mes enfants me disent. Que non, c'est un homme très humble, c'est un homme vrai, c'est un homme sincère. Et je leur dis souvent qu'il est mieux que ce que vous voyez à la télé. Il faut vivre avec lui. pour reconnaître le don que Dieu a fait de lui. Merci à toi. Merci à toutes ces personnes qui même en Europe. Ma prière, c'est que cette année ne s'achève pas sans que je n'aie les plans. Amen. Oh, ce sera une joie pour moi de partager les quelques grâces que j'ai reçues avec le groupe, avec vous tous. De toutes les façons, c'est dans l'agenda de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur bénisse le groupe, bénisse ceux qui sont écoutés aujourd'hui. Amen. Et bénisse son serviteur. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse, nous allons vous quitter ici. Et nous allons continuer dans notre petite retraite. Parce que en tant que serviteur de Dieu, c'est parfois important de se retirer pour chercher la face du Seigneur. Et donc, merci. Et je vais dire merci aussi à ton épouse, qui est une femme unique, une femme extraordinaire, une femme à nulle autre pareille. C'est comme ça à nulle autre pareille. Donc, maman Kamto, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je veux dire que je t'aime beaucoup. Et elle m'a beaucoup fortifié dans la prière, beaucoup d'encouragement. Et c'est une femme qui ne parle pas trop. Quand elle dit un mot, c'est comme 1000 mots. Quand elle dit 1000 mots, c'est comme 1 milliard de mots. Amen. Que Dieu la bénisse. Et je veux aussi dire que je n'ai jamais mangé aussi la macédoine et la braisée. Comme c'est maman Kamto. Homme de Dieu, ta femme, sa main est loin pour la cuisine. Normalement, elle vient poser les mains à nos soeurs, à nos filles, pour les tracer nos soeurs culinaires. Non, nos soeurs culinaires, je t'assure. C'est comme s'il y a une alliance spéciale cachée entre le Seigneur. Parce qu'on sait les secrets culinaires. Donc, maman, nous te célébrons, que le Seigneur te bénisse. On dit à tout le monde, bye bye.